Bonjour à tous. Donc nous sommes toujours dans l'épreuve vers l'épreuve pratique numéro 7. Nous allons donc aller à l'activité numéro 5 qui consiste à mettre des informations sur le délai de livraison. Voilà. Et notamment sur un produit qui est le produit de veste en cuir motard. Donc on va sur notre produit en front office. C'est bien une livraison sous 4 jours. Voilà, elle est ici. Alors pourquoi aller sur 4 jours? Parce que tout simplement, lorsqu'on va sur la fiche produit, je prends, voilà, et que je vais dans l'onglet livraison, j'ai bien indiqué une livraison par défaut. Alors cette livraison par défaut n'est pas celle-ci. Pour regarder ou pour visualiser ce qu'on avait noté en livraison par défaut, il suffit d'aller dans paramètres de la boutique, produit, et aller notamment, je crois, à stock des produits et regardez, alors livraison pour les produits en stock, on avait noté livraison sous 4 jours et c'est bien ça qui apparaît sur ma fiche produit. Par défaut, c'est ce type de livraison qui est indiqué. Moi, nous voulons une autre livraison pour ce type de produit, uniquement que pour celui-ci. Donc nous allons dans catalogue, produits. Je prends celui-ci, donc mon produit, je vais dans livraison. Et là, j'indique bien sûr un délai spécifique pour ce produit. Et il faut que je mette, bien sûr, on va mettre livraison sous 2 jours, livraison express sous 2 jours. Voilà, je vais et je fais enregistrer. Mon produit est bien en ligne, hein, toujours vérifier qu'il est bien en ligne. Je vérifie bien sûr en front office si ça, voilà, livraison express aux 2 jours. Si je regarde un autre produit, les robes, bien sûr, c'est toujours la livraison par défaut qui est indiquée. Donc voilà. Vous pouvez donc faire une livraison spécifique pour un type de produit ou deux. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine activité.